Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici ce soir pour le tirage au sort des conseillers de quartier. La ville de Villemomble, par son conseil municipal, a décidé donc de la constitution de 3 conseils de quartier. Dans chacun d'entre eux, il doit y avoir 50 Villemomblois de plus de 16 ans, habitant bien la commune, qui vont pouvoir donc représenter, travailler, proposer. Ces conseils de quartier ayant donc 50 places chacun. Nous avons 2 conseils de quartier pour lesquels nous avons plus de candidats que de postes à pourvoir, que de sièges. Donc pour les 2 ans qui viennent, il convient en effet que nous constituions ces conseils de quartier donc avec 50 conseillers. Moi je voudrais tout d'abord, avant que nous puissions procéder avec les 3 présidents de groupe ici présents, remercier bien l'ensemble des Villemomblois. 220 se sont portés candidats. Dans un premier temps, et après vérification donc des services de la ville, il a été donc arrêté une liste de 162 candidats, 162 Villemomblois qui vont pouvoir donc siéger sur les conseils de quartier. Ces conseils de quartier vont pouvoir aborder tous les sujets de la vie communale. Et il convient en fait de faire le tirage au sort pour 2 conseils de quartier en particulier, puisque le quartier Nord-Est a eu tout pile 50 candidats et donc il est pourvu donc de 50 personnes que je peux indiquer ici. Bien entendu, à partir de demain sur le site de la ville, il y aura communication donc de la liste exhaustive. Donc vont être conseillers de quartier Monsieur François Coiva, Alain Arnaudot, Widad Assaouassi, excusez-moi. Christian Autruc, Brigitte Barbier, Martine Bolloré, Muriel Boret, Olivier Benchaïb, Catherine Botin, Stéphane Bourreau, Aline Boussard, Julien Cab, Nathalie Collet, Jacques Delobel, Serge Dermatosian, Laurence Desclois, Anaïs Desmoulins, Axel Duverger, Isabelle Amerio, Fabrice Fauchon, Marine Fleck, Isabelle Fosset, Maria Fouquerel, Marc Garampon, Marie-Françoise Gazet, Patrice Guichaoua, Cécile Hupsch, Anne-Sophie Lapôtre, Olga Lecor, Nadine Lemire-Méjean, Cédric Locard, Jean-Paul Lopez, Corinne Mardesson, Asdine Meridja, Anthony Miatt, Michel Obadia, Patrick Paris, Françoise Perchenet, Manon Piffetot, Daniel Puyati, Soufiane Ramdani, Hermione Reboulot, Philippe Redouté, Alix Rimaud, Michel Rizzi, Anthony Séverac, Fatima Tal, Sactès Tavakkunas Ilan, Chantal Trottin et enfin Mathieu Vernin. Bravo à eux. C'est Monsieur Riyad Mahmoud, adjoint au maire donc du quartier Nord-Est, qui sera votre interlocuteur. Et la liste des noms, je le répète, donc qui sera communiquée sur le site de la ville, seront les conseillers de quartier donc qui pourront vous représenter et que vous pourrez solliciter. Concernant les 2 autres quartiers, c'est-à-dire le ouest et le sud-est, il convient effectivement que l'on procède à un tirage au sort. Donc, en la présence donc de Monsieur Jean-Christophe Gerbaud, de Monsieur Patrice Calmejane et de Monsieur Jean-Marc Minetto, nous avons donc ce tirage au sort qui est à produire. Donc, nous allons mettre, après vérification, les bulletins dans l'urne et après, il va y avoir le tirage au sort. Je vous dis à tout de suite. Voilà. Donc, toujours avec les présidents de groupe, Monsieur Calmejane, Monsieur Gerbaud, Monsieur Minetto. Donc, il a été vérifié la liste des 59 candidats pour siéger au conseil de quartier. Donc, ouest, est, pardon, sud-est, considérant effectivement donc que 59 donc candidats ont donc fait tout le nécessaire pour pouvoir se porter donc conseiller de quartier. Il va être procédé au tirage donc par éviction donc de 9 candidats pour que le conseil de quartier soit bien composé de 50 personnes. Voilà donc le tirage au sort pour malheureusement donc 9 de nos concitoyens qui pour ce coup-ci ne siégeront pas au conseil de quartier donc sud-est. À retenir que Monsieur Blondel Gilles, Monsieur Blanco Hortensio, Monsieur Mariette Thierry, Monsieur Ali Bakri, Madame Merlin Brigitte,
Monsieur Chefet Tariq, Monsieur Daïdi Marc, Monsieur Ouar Abdelhamid, Madame Karakiyo Bouchereau Marie, malheureusement, donc, ne feront pas partie de ce conseil de quartier pour ce coup-ci. Maintenant, on va de nouveau interrompre afin de pouvoir constituer la liste en éviction donc, du conseil de quartier ouest, donc permettant ensuite donc, de retirer trois noms et enfin que nos trois conseils de quartier soient constitués. A tout de suite. Bien, donc je répète pour la constitution donc, du conseil de quartier ouest. Malheureusement, donc, pour les deux années qui viennent, les travaux donc, du conseil de quartier ne bénéficieront pas de Claudine Bouvet, Fatima Bonheur et Magali Périlou. Dès lors, nous avons nos trois conseils de quartier donc, qui sont constitués. Les listes seront communiquées à partir de demain sur le site de la ville. Chacun de mes trois adjoints au maire de quartier, donc M. Mahmoud, M. Gerbeau et M. Zarlowski, vont personnellement donc se rapprocher de l'ensemble des 50 conseillers de quartier afin de commencer à démarrer donc les travaux d'échange pour l'amélioration donc des quartiers de la ville. Je tenais à vous remercier très sincèrement. Nous avons donc un nouvel élément de démocratie locale, de démocratie participative, pour lequel, en effet, donc, les choses pourront être proposées, échangées, co-construites et permettant à nous, élus municipaux, de pouvoir améliorer notre projet et surtout améliorer le quotidien des villes de Montblois. Je vous remercie.